le prophète Malachie, chapitre 3, verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et la lettre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 12, les prescrits, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Et toi, mais toi, en fait, tu restes le même et tes années ne finiront point. À l'intérieur en fait, de ce texte, nous voyons l'immuabilité, nous voyons le souverain sacrificateur, à savoir Jésus-Christ, le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de la personne de Dieu qui ne change pas, qui reste demeure immuable, inchangeable. Mais, comme a si bien dit le prophète Isaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera et admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu immuable, Dieu inchangeable. Le Seigneur, il prescrit ce Dieu immuable, il prescrit à Moïse, il dit à peuple-là, je suis l'Éternel, je suis le Dieu de vos pères. Dans Exode chapitre 3, verset 15, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération, ce Dieu immuable qui ne change pas. Dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, il dit, c'est que l'Éternel, c'est que devant l'Éternel, un jour est comme 1 000 ans, 1 000 ans sont comme un jour. Cela implique que notre Dieu, il n'est pas borné ni par l'espace, ni par le temps. Et le chronos, le temps de l'homme, n'est pas celui de Dieu. Le chronos ici, le kainos. Alors nous voyons, quand nous disons le kainos, c'est le temps de Dieu, mais qui n'est pas celui de l'homme. Et on pourrait voir que bon Dieu, là, il n'est pas changé. C'est un Dieu immuable, à métatétos. Et l'immuabilité de Dieu implique la vie de Dieu, le Rédempteur, l'immolé, le crucifié, celui qui a versé son sang pour nous à la croix, celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Et la vie de Dieu, il fait implication à quatre grands axes. Sa naissance, sa mort, sa résurrection et son retour, la parousia, l'enlèvement, le retour en gloire. Qui reste et demeure immuable, inchangeable. Voilà que l'Église a besoin d'arranger l'écoute qu'écoute. Eh bien, pour ce grand jour, et pouvoir siéger avec ce Dieu immuable et bonne espérance là. L'espérance du salut, l'espérance de voir le Seigneur, l'espérance de s'asseoir avec le Seigneur, l'espérance de voir le Maître. Et tout ça nous se dit là,
yo prouvé li, c'est l'évidence même de Dieu pour vous dire que notre Dieu reste et demeure un Dieu immuable et inchangeable. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Oh, ce Dieu, il peut aller changer la vie, il peut aller transformer la vie, bien-aimé. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, et le livre d'Ésaïe qu'on a traité, qu'on a baptisé, en fait le cinquième évangile, dans le chapitre 41, nous pourrons louer le Seigneur, à partir du verset 18 au verset 20, le Seigneur a dit, je ferai et jaillir par des fleuves d'eau, au brin bien dans les collines, des sources au milieu des vallées, et je changerai le désert en étang. Ah, mon Dieu, qu'on change la vie, bien-aimée, des terres arides en courant d'eau. Et je mettrai dans le désert et le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. On voit bien. Dans les lieux stériles, le cyprès, l'homme, et le bruit, on va le mettre tous ensemble afin qu'il voit, qu'il sache, qu'il observe et considère que la main de l'Éternel a fait ces choses. Et le Saint d'Israël, le Dieu immuable et le Dieu inchangeable en est l'auteur. Maintenant, nous voyons à travers le texte, bon Dieu, qu'on transforme la vie moun, et qu'on change la vie moun, bien-aimé, même si la vie ou était un désert, bon Dieu, qu'a transformé le matin sous d'eau, bien-aimé, ou qu'a fait ça. On va connaître matin qui la vie, qui ont été désertiques, ont été stériles, ouais, mais le ce Dieu immuable, en fait, peut changer votre vie, notre vie ce matin. La côte matin, le Seigneur est capable de transformer la vie au bien-aimé. Oh, m'attendez, bien-aimé frère, moi, c'est lui avec soin, qu'il dit que le Seigneur compte changer la vie, monde. Oui, certainement, bien-aimé. Nous avons des verbes qui font référence à des objectifs tout comme l'école nous forme, les journaux, les appareils en fait téléviseurs nous informent et le péché nous déforme mais l'évangile peut nous transformer. Notre Dieu immuable peut nous transformer. Maintenant, le Seigneur est capable de transformer la vie ou dans quelque soit situation ou capable. Maintenant, le Seigneur a fait parce que il n'a pas changé. Au grand pile vie monde que changé déjà au matin et quel que soit monde qui offrit tête yo, quel que soit monde qui offrit la vie yo entièrement, et bien, le Seigneur, matin, le Seigneur qui a changé, il a changé la vie, mon matin. Oh, si tu as changé la vie, peuple Israël, si tu as changé la vie, peuple ça, bien-aimé, et bien, il a changé, et bien, la vie, pas matin, il a changé la vie, si la SAO, qui a mis le groupe là, qui a mis le lilan, matin, nous ne pouvons pas dans cette situation. Que la vie, oui, même si la vie, t'es en fait, t'es un monde, t'es un désert. Matin, le Seigneur, qu'a fait un fleuve d'eau, pété là-dedans,
li ka fon sous d'eau pété la donné au premier ka fait ça et bien aimé nous tout monde connaît qui sacré non désert et ben il fait référence à sacré des ronces des piquants poussière et c'est ça qui fait référence avec eux au désert mais nous bon Dieu dit là qu'a fait fleuve d'eau il a changé la vie mon en état on connaît qui ça créé les on état on va bien-aimé on va bien et la fait en fait des bois précieux bien-aimé oh tout pour nous connaît nous en fait des qui viennent vraiment qui venons en fait et en fait de la campagne on connaît qui ça un bois cèdre bien-aimé on connaît qui ça créé un acacia bien-aimé un myrte bois ça haut ce sont des bois précieux on prend ouais on prend ouais bois ça on prend pousser dans le désert bien-aimé ça montre que la vie ça sont la vie on prend mais et qui changer ça yo ce sont des figures ce sont des métaphores que vous voyez bien-aimé. Oh, lorsque la vous changez, lorsque la vous transformez, il y a un bagage capable de faire, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Oh, nous pour aller faire mise en contexte de texte là, bien-aimé. Oh, le fameux Joseph, nous pas être entré dans l'histoire, mais on connaît qui est Joseph, un homme de vision, bien-aimé. Et au compte de la situation que l'Iri était retrouvé en Égypte, bien-aimé. Oh, c'est ainsi que, oh, il peut aller mettre Moïse en prison. Dans chapitre 40, là, bien-aimé, pour nous capables de dire plus précis, plus concis, bien-aimé, ouais, il y a deux chefs qui étaient sous Égypte, roi, en fait, le roi Pharaon. Eh bien, ils ont vu commettre en fait des infractions. Et puis, Monsieur Sayo, au bout de main, et Chanson, au bout de main, avec Pantia, ils ont metté Monsieur Sayo dans prison, bien-aimé. Au bout de main, ils ont fermé dans prison. Et voilà que Joseph lui-même était dans la prison déjà. Mais pendant la prison, il y a des gens qui sont sous tête lui, mais lui-même était chef dans la prison. C'est ainsi que et pour capable faire mes contexte là dans chapitre 40 à partir du verset 1er au verset 15 on pral voir que eh ben bon Dieu pral ba Joseph eh ben intelligence on va lui pral ba connaissance pour capable expliquer rêve chaque monsieur ça a été gagné vision par et chanson racontée par yon. Et bien, ou pral wè li, bien-aimé, ou va garder. Mais ça qui est intéressant dans le texte, bien-aimé. Et m'invite pour capable lire le texte à matin. Et Genèse chapitre 40. Mais ça, les Joseph Philippe et monsieur rêve là, il pral aller gè ou là dans les rêves pas là, pas bon, parce que je vais pas couper tête li. Mais et chanson et mais Joseph pral dit eh ben souviens-toi dans verset 14 que ça il va dire souviens-toi de moi eh ben quand tu seras heureux et montre je te prie en fait de la beauté à mon égard moi-même et parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Alors, puisque c'est fini raconter rêve là, on va mais et puis je pourrais libérer les chansons hein, et puis là et puis c'est tout font attendre tout puisque il connaît que mes amis ça il va faire mettre le dehors. Et nous pourrais garder le verset 15, il a dit que mais j'ai été enlevé au moment même du pays des Hébreux au moment même et ici même en fait il ici même en fait je n'ai rien fait en fait pour être mis en prison au moment même pas faire rien pour mettre là au moment même pas faire rien pour mettre là et bien aimé
et ça qui va là et mais nous pour aller zami ça et parlant de échanson et mais l'oublier Joseph l'oublier Joseph ben mais c'est ça au besoin comprendre et ben l'homme li changeant l'homme li changeant mais notre Dieu reste et demeure un Dieu immuable. Notre Dieu reste demain un Dieu inaltérable. Mais c'est bon Dieu ça, ma Seigneur nous prescrit ou. C'est bon Dieu ça, ou doit accepter. Et ou te vois avec moi dans nombre, et chapitre 23, verset 19. Nous parlons Dieu qui pour mentir. Et nous parlons Dieu, un bon Dieu tout, avec qui pour repentir, bien aimé. Ça lui dit avec bouche li, mais li accompli li. Et si tu as gardé avec moi dans Genèse, et pas dans Genèse, dans Jérémie, chapitre 17, et si tu as gardé, à partir du verset 5 au verset 7, il dit ainsi par l'Éternel. Maudit soit l'homme, en fait, qui se confie à l'homme et qui prend l'homme pour son appui, et qui détourne son cœur, en fait, de l'Éternel. Moi, avant matin, nous pas supposé pour nous confier dans l'homme. Et voilà, regardez dans verset 7 là, et puis le prêtre dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Oh, matin, sous besoin d'un espoir sûr, sous besoin d'un espérance, Matéa, l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle. Moi-même, comme héritier, co-héritier de Christ, Matéa, eh bien, au besoin approcher vers ce Dieu immuable, vers ce Dieu inchangeable. Oh, Matéa, nous inviter à accepter ce Dieu puissant, ce Dieu vrai, ce Dieu réel. Oh, Matéa, m'bakone, Matéa, mon qui nous état de prison, mon qui enfermé, Matéa, mais à l'instar de Joseph, bébé. Oh, bon, l'autre message en donné, même pas l'anticiper, mais Matéa, nous voulons intéresser, Matéa, et mon qui peut accepter ce Dieu immuable, ce Dieu inchangeable. Et Nabdi au matin, il compte transformer la vie monde. Mais c'est un vrai agent de transformation, Matéa, ce Dieu immuable, Matéa. Nous invitons, si vous pouvez faire la paix avec lui, si vous pouvez connaître comme Seigneur et Sauveur, Matéa, nous invitons à le faire. Nous invitons, Matéa, pour accepter lui. Nous invitons, Matéa, pour dire oui et pour témoigner ce Dieu réellement. C'était vraiment un Dieu immuable. C'est vraiment un Dieu inchangeable. Matéa, nous invitons au matin, si vous pouvez faire ça, pas hésiter. Prenez, puis ce temps, il n'y a pas entier cours. Et fait jeudi, je vous parle au matin. Et laisse avoir un bon témoignage vivant. On va dire ce Dieu, c'est un Dieu inchangeable. C'est un Dieu immuable. Je viens bientôt, retiens ferme ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants d'Israël, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Oui, mon nom, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Shalom, shalom. Bonne journée à vous. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Amen.